La dernière que j'avais vue, c'était en 2008. J'étais dans les tribunes avec la sélection des 19 ans. On est allé voir le match et si j'ai le bonheur de l'emporter avec mon club formateur, ça sera mon premier titre et ça sera énorme. 4 ans après la dernière victoire de l'OL en Coupe de France, Maxime Gonallon aura-t-il l'occasion de soulever le premier trophée de sa carrière demain soir au Stade de France? Sur le papier, en tout cas, la rencontre semble déséquilibrée entre le 4e de Ligue 1 et le 13e de National. Mais voilà, la Coupe de France se nourrit de ces histoires de petits poucets venus perturber la hiérarchie. C'est vrai qu'ils m'ont pas mal impressionné parce qu'ils étaient souvent menés au score et voilà, d'un coup, ils avaient une qualité de jeu qui était vraiment pas mal et ils ont éliminé deux équipes de Ligue 1, donc c'est pas anodin. Tombeur de Marseille et de Rennes à Quevilly, cette réussite, on l'attribue à un homme, Régis Brouard. Arrivé en 2008 en Haute-Normandie, le technicien francilien fait l'unanimité. Souvent, il a un coup d'avance, il sent bien le football et puis souvent, ce qu'il nous dit, c'est ce qui se passe. Les scénarios de match sont terribles, on est mené, on arrive à revenir au score, on fait une deuxième mi-temps merveilleuse. Tous ces paramètres aujourd'hui sont en feu vert et qui fait que l'équipe est dans sa plénitude d'expression collective et individuelle. Combien de temps ça va durer? Ce serait bien que ça dure le temps d'un match encore. Encore groggy par leur défaite en Coupe de la Ligue, l'OL, même en gagnant dimanche dernier face à Lorient, n'a guère rassuré ses supporters. Alors à 24 heures de jouer le match piège par excellence, cela peut-il peser dans l'esprit des Lyonnais? Non, non, non. Non, non, le match de samedi, c'est un match à part, c'est une finale et surtout c'est un match qui peut nous permettre de gagner un trophée. Gagner un trophée, voilà ce sur quoi les joueurs veulent se concentrer, même s'ils devront garder dans un coin de leur tête qu'il y a 44 ans, en 8e de finale, le petit poucet quevillé avait fait trébucher l'ogre lyonnais.